Dans quelques mots. Bien sûr, parce que cette équipe de Lyon blessée est vraiment sur une bonne spirale. Mais après, il ne faut pas oublier que Edding a sa tête un nouvel entraîneur à la personne de Tonnier. Tonnier, et depuis la première journée, Edding avait enchaîné 8 matchs sans 7 matchs sans victoire. Donc il était question pour l'équipe de se redonner confiance et de pouvoir avoir encore 3 points pour justifier la présence de l'entraîneur expérimenté comme Nicolas Tonnier sur son banc de touche. Voilà qui est dit, madame et messieurs sportifs. Je crois que nous allons vous permettre de suivre cette deuxième mi-temps de la 9e journée ici au stade de la réunification en direct sur Canal 2 International. Une deuxième mi-temps qui, une fois encore, titre de rappel, oppose l'Union sportive de Douala à Bambouters Club de Mouda. Le score pour l'instant est de 1-0, hein, et c'est une rencontre ou une deuxième mi-temps qui certainement s'annonce très dure, surtout très revancharde pour Bambouters Club de Mouda. Bien sûr, qui a besoin au moins de match nul parce que les équipe sort d'une défaite à Yaoundé, Cusanne, 5-0. Ah ben voilà qui est dit. Voilà, je crois que nous allons remettre l'antenne de l'autre côté chez nos commentateurs Aimé Moukoko et Steve Foncam qui certainement sont déjà en poste pour, n'est-ce pas, la suite de cette deuxième mi-temps qui oppose l'Union sportive de Douala à Bambouters Club de Mbouda. Nous remettons l'antenne, je crois très bien, si la réalisation nous donne l'autorisation, nous remettons l'antenne. Aimé Moukoko, Steve Foncam, c'est à vous. Chamadeu, on a envie, tout comme nos téléspectateurs, de revenir sur cette rencontre qui va donc prendre sa deuxième période avec toujours l'avantage au score de Union Sportive de Douala. On le rappelle, hein, le but inscrit par Monsieur Seko Serge. Ah ben oui, il y a beaucoup de pression dans cette première période avec forcément des choses encore à améliorer sur l'aire de jeu. On va saluer d'ailleurs toute la grosse équipe technique. Alors que là, c'est parti pour les 45 prochaines et dernières minutes. Union qui, pour l'instant, tient les devants et confirme sa domination sur les Mamba Boys. Quand on est au stade de réunification, c'est Union qui fait la force. Première action pour les Nassar Yamakai, alors que les spectateurs reprennent leur position initiale dans un stade plutôt bien peuplé. 9e journée de Ligue 1, match au sommet. Ah, beaucoup de choses à améliorer hein, dans cette deuxième rencontre. Cyprien Foncam, dès Christopher, l'arbitre de ce match, jusqu'ici, hein, était bien sur le détail, la précision de toutes les fautes. Là encore, il intervient à la faveur de Bambouters FC de Mbouda. Yeah, Bambouters has to actually fine-tune that work to finish this at the attack line. And it's a foul. The international referee from Bamenda, Dick Christopher, says it's a foul committed by Cameron Jetey. And would he actually give a yellow card? No, he has given the final warning to Camara. And that was a foul committed on jersey number 9, Baga Cedric of Bambouters of Mbouda. Like I was saying, Bambouters of Mbouda has to conclude or make sure they put their finishing on point in order to dream of having scoring the equalizer. And this is the free kick about to be taken by Lobe Soso. A perfect position for a lefty that he is. Watch out for this one there. A long one there, a spin effect. And that's a beautiful header sent away by JTE Camara for Union Sportive of Douala. Perfect one there. Meanwhile, we saw the audacious intervention of Boiti, who was there on point and was there for the rendezvous. Benjamin Moukoko, I think that should be an offside signal or a foul. Ouais, là, ce sera une sortie de balle après cette action dangereuse encore à la faveur des Mamba Boys qui commence comme la première période sur les chapeaux de roue. Et on espère que ce sera jusqu'à au moins l'égalisation parce que plus il y a des buts, plus il y a du spectacle et plus ils sont nombreux à nous regarder à la maison. Attention, c'est Union qui va essayer de relancer avec Antalou Serge.
Le ballon dans le rond central. Et cette balle en profondeur, bien couverte par Kombi Mandjan, capitaine, qui va combiner. Voilà deux latéraux gauches qui jouent dans le même couloir, un peu plus avancé que l'autre. Et on va voir ce qui va se passer, s'il y aura redispositionnement, autant pour moi, tactique. Côté Diallo Sioué. Mais pour l'instant, on reste sur le même 4-3-3 avec Paulo Gok, Ken Gueladjoé, Seko. Et puis, ce ballon avec Andalou. Andalou, attention, et face à face. Le deuxième but d'El Nazaro Gamakai. Il avait marqué lors du dernier duel, ici même à la vérification. C'est une équipe qui lui sourit. Monsieur Andalou, Serge, double la mise. That was a perfect finish. What a shot from Serge Andalou. That was perfectly positioned face to face with Chouente, who was simply helpless in front of Andalou, who had more experience on that one there. He saw the ball and he perfectly adjusted his shot. That, look at him. That's a perfect overhead pass that dropped behind the defense line in the 60-meter box. Andalou did the job. I mean, that was a real masterpiece there from Andalou. Perfect one. And you can see the fans of the Blues and Whites jubilating. I mean, the green and the whites and Nasser Al-Kamakai. Il est devant les supporters de Bambutos. C'est une image incroyable qu'il propose à réalisation. C'est un supporter de Union de Douala qui vient s'amuser avec les nerfs de ses adversaires. C'est aussi ça le football. Quel but d'Andalou. Alors que là, c'est le premier emplacement qu'on va suivre côté Bambutos de Boula. C'est notre ami Mutogo qui va sortir en lieu et place de Stanislas, Boris et Panda. Dossard 14. Alors messieurs, ça devient compliqué. Deux buts à remonter. C'est très 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 compliqué, il faut le dire. Simplement pour Bambutos de Bouda qui essaye tant bien que mal de revenir dans ce match. We can say that Coach Diallo Sioué is succeeding in this game, and especially now that a second goal came as early as this time in the second half. It means we have actually fine-tuned at the level of the attack line to see an attacker score after four games where the attack line has been unfruitful for Union Sportive of Douala. And during the press conference before this game yesterday, the coach signified that most of these games, I mean the four last games they played, international and local games, was also due to the tiredness. They had to travel long distances, but now they have rested up. Ici, bien du danger sur l'aire de jeu avec notre ami Kaou Fabril qui était à l'abordage là-bas sur le flanc droit de l'attaque. Nouveau remplacement pour Souleymanou Aboubakar. C'est un coach reconnu aussi comme entraîneur national. Et d'ailleurs, il va jeter le deuxième meilleur buteur de Bambutos, Léon Fabrice Apoa. Attention à ce monsieur, c'est un poison pour les défenses. Le 21 qui va rentrer en jeu. Alors là, ça devient un peu plus délicat. Et on a hâte de voir la première réaction de Bambutos FC de Bouda, blessé dans son orgueil. Sortie de balle à la faveur des Mangwa Boys. Soit il tente de trouver Ekamessi, bien récupéré, bien stoppé, bien cadenassé par Ken Gueladjoé qui relance avec Gueyab dans le rond central. Il perd le ballon. Attention à la contre-attaque des Mangwa Boys avec le ballon qui passe complètement sur le côté gauche. Oui, il appelle, il a vu. Et le centre qui se lève pour personne si ce n'est Balogok. De Union qui botte le cuir en touche à très 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 haut la défense de Bambutos. Regardez la ligne défensive avec Metin Dayan presque sur la médiane. Ah, il joue avec le feu parce que tout à l'heure Andalou est allé à la limite du hors-jeu. Absolument. Tout le monde était arrêté sauf lui et il n'y avait pas hors-jeu. Et là, monsieur, un certain David Eto'o à l'échauffement. Warming up. He's not alone. C'est yesterday, pas son jumeau, c'est bel et bien le petit frère de l'autre. Definitely, this younger brother of Samuel Eto'o. Never mind, they look so much alike.
son soutien. Il y a Etchou aussi qui est Jesse number 17, Etchou, who's also warming up. Un échauffement. Meanwhile, Bambuto's of Buddha has this fantastic free kick. Aye, Ikamisi. The one, and it's an indirect one there. Sent over right up front, and that's a header. No, it's that from the defense line. And that was Kamara Mwamejete. And the ball is right down on the left flank. What an inappropriate pass coming from Kabu Fabril. Kamara gets confused on this one. The Vice Odara is there to send the way out. Send the ball right up front. Same. Unfortunately, it has been sent by Metek. Kombi Manjang, recuperation, repossession. He plays with Vice Odara. Why not? That's Same. The man who scored the second goal, the first goal, I beg your pardon, for Union Sportive of Douala during this first half. Same. Let's watch out for him. That's Kengela Joey. Kengela Joey plays with the Vice Odara. Vice Odara will send it right up front, looking for who. And the ball is sent right up front, back by Dayang. Oh, Union, that's beautiful. Balogov combination. Kombi Majang sends back to Balogov. That's an acceleration. Oh no, that was too hard. Il a hésité, il aurait placé directement le ballon dans la profondeur avec l'appel, le contrôle de trop. Et le ballon qui va sortir, il n'est pas content, hein, le coach Diallo Sioué, même avec l'avantage de but à zéro. Absolument. Il en veut plus d'ailleurs pour nos téléspectateurs. N'oubliez pas, comme il est de coutume, de réagir pour l'homme du match et la note du match sur 20. On va d'abord voir la réaction avec Apoua qui a pris le flanc droit de l'attaque. Bien couvert par Kombi Manjang. C'est deux niveaux d'expérience bien distants. Lignon a the level of his defense have tightened up. And they are more secured during the defense to a point that Bambuto finds it difficult to find any loophole. That's a great job there for Siwe. Meanwhile, we have Baez around the image at the moment on our camera, trying to communicate with his team. He searched right up front from Gaya, but unfortunately, he was blocked there by Ngese. But right now, we have Gaya, Kengela Joey, who plays rapidly down there with Kombi Manjang on the ball. Serge Antulu, who obtains a throw-in in favor of the green and white. Antulu, jersey number 30. Assez rare quand même, hein, de voir aligner deux arrières gauche sur l'aire de jeu. En tout cas, ça réussit plutôt bien. Coaching payant pour le coach Siwe. Et puis je parlais tout à l'heure, hein, de nos téléspectateurs, ceux qui ont soif de spectacle et qui n'ont pas pu, hein, se déplacer pour le stade de réunification. En tout cas, surtout ceux qui ne sont pas à Douala, parce que c'est ceux-là qui sont plus nombreux devant leur écran. 675-59-25-00. Comme d'habitude, l'homme du match et la note du match sur 20. L'homme du match et la note du match sur 20. Votre nom et votre lieu de résidence. Oh, selon les bienvenus. That's a beautiful one. Good spectacular one from him. Bon, but that was ici, mais bien tenté quand même. It was spectacular. Not successful, but it was spectacular. Meanwhile, it was too much. Il s'est manqué, Kamara Titei. Et la faute de Ken Gladjoué. Belle faute, hein, pour empêcher la réaction immédiate de Bambutos. Lobé. That's Lobé Soso, who was already accelerating there. And we know how dangerous he is. And so we can rate, for all the televiewers watching us at the moment, you can rate this game on 20 and also text us the name of the man of the match according to you on this number 75 675 59 2500. And that's a long one there, that's a freaking long one there, and a header from JT Camera, and it's an advantage for Union Sportive of Douala. And so this is the number through which you can react and participate, interact with us, be a telespectator. You can also interact with us live on this game on 675 59 25 00. Rate this game on 20 and send us the name of the man of the match, and of course drop a comment as well concerning this live. Uniquement par SMS only, d'appeler en tout cas pour ceux qui auront la chance, hein, de voir le message lui à l'antenne. Eh bien, c'est tant mieux. Allez, sur l'air de jeu, ça joue à Douala comme ça joue dans d'autres stades. On attend et on donnera l'évolution tout à l'heure du match entre Cosmos et New Star. Aigle UMS, APGS Astre.
Unisport canon de Yaoundé. Watch out for this one there. That's a pass perfectly structured by Balogok. Balogok for Sané. And it's offside. It's offside. It's offside. That's an offside there. Signal by the center referee, Mr. De Christopher, international referee from Bamenda. That's a clear off by Meteng. Bamutos is centered right up front looking for Baga. Meanwhile, we can see. C'est Uchou Jérôme qui est à l'échauffement, qui va rentrer muscler le milieu de terrain. Alors, comme on dit, pour fermer la boutique. And that Balogok. Balogok plays rapidly with Serge Andolo. Andolo goes for the header. Yes, he misses it. But he comes back to Kengila Joe. Seko. Seko plays back with Baizo Dara. Kengila Joe. Baizo. They're trying to open up the game. Union Sportive of Douala. And that's what they're doing. What confidence has come back to the team? Who's leading by 2-0? Ah, Kombi Majang. Kombi Majang for this one there. Watch out for this one. The captain sends it right up front. No, sorry, in the middle. Bungayapu sees. Kau Fabril, and he goes through. What an error at the crossover. That means nobody. Kombi Majang, Andalou, tous avancés. J'espère que derrière, Bamboutos ne va pas en profiter. Parce que là, complètement vide. Hein. Même si, pour le moment, c'est Union qui campe dans le camp de Bamboutos avec Kombi Majang qui ajuste bien son centre au deuxième poteau. Pour qui? Pour personne. Si ce n'est le défenseur qui a le temps d'amortir et relancer tout doucement au pied. Très beau geste technique de notre ami Dayan. Alors que là, Baizo s'en mêle aussi avec l'accélération plein axe. Et le tacle de Bamboutos. Juste avant le remplacement, Kengila Joé, comme on l'appelle, Marco Senna, va sortir. Ah non, c'est pas Serge, c'est plutôt Samé, un attaquant pour milieu de terrain. Balogok autant pour moi. Ah ben ils ont le même coiffeur apparemment. Hein. Mais c'est bien Balogok, c'est du poste pour poste. Absolument. Pour ce joueur, entre au Bercail, si we want to go at all costs. But at the same time, he doesn't want to concede a goal. Just to remind you guys that in four last games, they conceded 6 goals. I mean, all competitions included. I mean, the African competitions and the local ones. So he has decided not to concede any game, especially for today. And that's what he said during the press conference yesterday. And it's actually succeeding. But Bamboutos of Buda, the Mangwa boys have not given their last word. Alors, on espère qu'ils vont réagir. GTI qui tente de trouver Kombi trop long. Pour le capitaine qui a permuté avec Andalou. Non, Andalou. 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 On prendra le premier. La relance de Union de Douala avec Andalou qui, d'un crochet, élimine deux joueurs. Trois joueurs, il va aller tout seul. Allez, le jeu de jambes pour Rubeni plein axe avec Kengila Joé sur Kombi Majang. On passe de la gauche vers la droite avec le soutien du gardien Poiti. Olivier Baizo pour un ballon qui reste bien dans le camp des verts et blancs. Et on cherche les intervalles. Ça bouge beaucoup, ça bouge avec une gay-up. La passe à 10, le taureau comme on dit. Et là, oulala, la limite hors-jeu. Union qui s'amuse, Union qui retrouve son jeu fétiche. Balle à terre et non le balle à terre. Et même hors du stade, voyez en image, il y a du monde à l'extérieur. Il n'y a pas d'espace pour le parking. Absolument. Parce que Bamboutos est à Douala. Je n'en dirai pas plus. Observez vous-même l'effet canadien international dans les gradins. Les Mangwa boys sont bel et bien là. What a fabulous image there given by Arafake Kunga Victoria, the director of this fantastic game. As Bamboutos of Buda, Meteng goes in the air and the header and the clear up there by Bamboutos of Buda's defense line for Baga. Baga who wins his fight. Baga who is face to face with Jete Kamara. Don't think it's David and Goliath, the strength will matter. And that's a beautiful one there. And the extreme line, Lobes, Soso. And that's an intervention from Hechu
who was present for the duel. And the fans can confirm that that was a beautiful act. You can see a smile from some people's faces. That's a kana in favor of Bambuto's FC of Buda that wants to make a difference. So we can see Abubakar Suleimanu talking to Meteng, jersey number 5. The man who is kind of a leader. That's a crossover. No, wrong leg. Watch out for Baga. And that's a clarover from Basso. From Basso. Basso. I was about to say Basso Dara. And the ball is still in possession of Bambutos of Buda, still in possession of this ball. Rapid one there from WhatsApp. WhatsApp is combined with Geze. WhatsApp on this one there. Acceleration. He beats. Basso Dara. No. Beautiful. What a dribble. Great intervention there. Là, il a raté. Le ballon. Il avait tenté une première fois. Mais là, son pied a pris la jambe de WhatsApp. C'est vrai que ça donne envie de WhatsApper, en tout cas, bientôt. Hein. Vous nous retrouvez. Allez, coup franc pour Bambutos. Je vous rassure, hein, on est bel et bien au salle de rééducation à Bépanda. Hein, ne soyez pas trompés par la qualité de l'image. And the number, the multitude of people who are there. Allez, et Kamessi pour le coup franc. Ces gradins vont vibrer ici. Bambutos réduit le score à l'instant. Deuxième poteau. Et c'est Etchou qui met la tête et se sacrifie pour envoyer ce ballon. Récupéré par Marco Senna. Oh. La profondeur pour Samé. Trop long pour... Look at it. Hitchcock sends it right up front. And that's Samé again lingering around in the defense line. I think it was... That was an offside that was not seen by the referee. But the assistant referee, probably Mr. Yege. Mr. Nkou Ateba Simon-Pierre. From Yaoundé says it's in favor of Union Sportive of Douala. And at the moment you can see the Panda Stadium, the reunification stadium of Douala, that's almost full to capacity. It is fantastic to see how people are coming back to the stadiums. Remember a few months ago, people were not as much present in the stadiums. But now the games are getting interesting. The organization is getting serious, and we are proud to say we are beginning to exhibit qualities of a professional football tournament. And that's Meteng. Meteng was quietly and peacefully cleared that one off, to the amazement and to the awaiting eyes of Seko. But Bambutos of Buda is still under the pressure and the need of L'intensité qui a baissé alors qu'on prend les nouvelles du côté de Bafang avec le canon qui mène 2-0. Le Tamkwa, le match est en cours. On rappelle aussi que du côté de Fou, Apeges est mené par Astre de Douala. Pendant que le gardien Moïse Poiti est au sol, les joueurs en profitent pour se désaltérer. Et oui, c'est important. Aigle, pour l'instant, mène UMS de Loum 1-0. On joue aussi la deuxième période. APGS de Fou, pour l'instant, est pris par les Brésiliens de Bipanda. Unisport de Onkam 0. Canon Sportif de Yaoundé 2. En tout cas, vous aurez tous les détails dans Grand Stade. À partir de 19h, en direct sur Canadien International avec M. McDonald Chouamou, qu'on va retrouver avec toute son équipe. On rappelle que Racing, Lyon Sport Academy et Dragon Coton, c'est demain lundi. Et surtout, ce jeudi, un excellent New Star Coton FC de Garoua. Ouais, ce sera choc. Allez, jusqu'ici, c'est le gardien qui reçoit des soins. D'ailleurs, Akana, le gardien remplaçant, est allé à l'échauffement. Et il va se lever. C'est un héros. Je profite d'ailleurs pour ce temps mort pour lire quelques réactions. Homme du match, le numéro de Union. Il n'a pas précisé, monsieur de Anguissa. N'oubliez pas, faites comme Camdem Giovanni depuis les USA. L'homme du match, c'est Ken Gila Joey. 16 et demi, c'est la note du match.
un grand supporter de l'Union du côté des États-Unis. Merci à vous, Camdem Giovanni, du côté des États-Unis. C'est reparti sur la pelouse. Mateo Gea gets a shot there that goes over the crossbar. That was a long one there, almost 30 meters from the ball of Bamtusa Budao. Meanwhile, this is a foul committed there by Serge Ndoulou on Assoua. Rapidly put into play by Bamutoso Buda. In control of the ball there, what's up? That said, she's for his attackers, but unfortunately finds nobody. But it's a throw-in for Bamutoso Buda. And the ball is put into play. The throw-in, a long one there. Beautiful combination by the defense line, Lopez Oso. And it's a counter-attack. They're not a counter-attack, but a good defense from Fimana, who stopped Ken Gilajoe from starting that counter-attack. Seko for Union Sportive. Not Baizodara, but practically Cao Fabriel, who sets it right up front. And the ball is sent back. It's a hustle and bustle there. And Mr. Christopher Day, central referee, says it's a foul in favor of Bambuto's FC Obuda. Meanwhile, Gayab is on the ball there. Recuperation. A repossession from Union de Douala. The ball goes from the right to the left flank. Serge Ndoulou for Kambi Manjang on the left flank. And watch out. He's there with Assoua for the comeback there. He chooses to play with Gayab. Gayab, what a fantastic dribble there. Fantastic mid-trees of the ball. Seko. Seko who penetrates dribble one, dribbles two. He's in a 60-meter pass. What does he do? He looks for his pass. Oh no. He doesn't find anybody. Serge. Qu'est-ce qu'il nous fait là, monsieur Seko? Il avait complètement les goals ouverts. Il a voulu jouer contre. Il aurait pu frapper du pied gauche, c'est vrai, c'est pas son meilleur pied, mais là il vient de vendanger le hat-trick de Union de Douala alors que la défense était simplement en train de subir. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Qu'est-ce qu'il vient de nous faire, Monsieur Seko? He was in the 60-meter box. He could have just nailed it for this encounter. Trop collectif aussi. Il a marqué son but. Il veut partager. Il veut partager. He would have tried his luck. He would have tried. He is a very good scorer. He would have tried in the 60-meter box. I mean, all the attackers, all the good scorers would like to take that one for them. Allez, on repart. On tente encore une nouvelle offensive. Union qui joue comme s'il est mené à domicile alors que le score pour ceux qui prennent la naissance est de 2-0 en faveur des Nasarangamakai. Bamutos qui se bat à revenir au moins dans ce match. Ken Gilajoe. Le ballon manqué, bien récupéré pour Ngeyap avec Kaou qui a fait le mouvement là-bas de l'autre côté. Attention, le gardien qui se prend à deux temps. Heureusement pour lui, pour botter le ballon loin devant. Jolie combinaison encore côté Nassara. Et là, c'est Baga qui réussit à conserver le ballon entre deux joueurs de Ngamaka et Nassara. On écarte à gauche avec M. Apoua. Ça revient au milieu avec Kamessi. Ça joue à 1-2-3. Il faut se retourner. Là, c'est la bonne. On essaie de temporiser. Et là, difficile hein, quand M. Kombi s'emploie avec Echou. Ah oui, il peut se plaindre, mais il aurait été un peu mieux collectif hein, pour se repositionner. I don't think he's complaining. He's angry with himself because he knows that was an opportunity for him to beat past Kombi Manjang and make a difference. But he is actually crying or lamenting for his errors. And that's it. Firmana, who sends it right up front to look for Lobe. Beautiful intervention from Kaou Fabriel, who sees it and gives a beautiful pass with the head to Poitiers. Dr. Peggy Ngandou-Gadou depuis Maroua propose 13 sur 20 la note du match. Meanwhile, we can see jersey number 10 from Bambuto's Mr. Herman Samuel Kikambous getting ready to take the place of his teammate yet to be signaled. Il va rentrer dans un instant. A second change there for Bambuto's FC of Buda. Le troisième et dernier remplacement. Third. Peggy Gadou propose Ken Gilajoe comme homme du match, le numéro 6 de Union de Douala. Très actif. Hein. Thierry Follès de Puichang. L'homme du match pour moi c'est Andalo de Union avec une note de 13 sur 20 pour le match. Merci à monsieur Follès Thierry de Puichang. Allez, nous repassons à suivre. Eman Samuel Kikambu. Jesse number 10 for Bambuto's FC Obuda. Probably an attacker who has to make a difference because they need a goal.
will be replacing certainly Jesse, number 11, Mr. Lobe Soso. As I said, he's an attacker, but this time around he's on the flank, on the left flank of the field. And Bambutos FC of Buda looking for Baga. No, that's a clear over by the defense of Union Sportive of Douala. That's a beautiful one there from JTE Camera. Meantime, Lobe Soso, who was also very good during this game for Bambutos FC of Buda, is out and is about to be replaced. He has been replaced by Jesse number 10, Herman Samuel Kikambos. Allez, des nouvelles des autres stades, les matchs sont en cours. Deux buts déjà d'avance pour les Astres de Douala face à APGS de Fou. Du côté de Fou, 1-0 pour Aigle face à UMS de Loum. Et puis je rappelle que Cosmos New Star, aux dernières nouvelles, c'était toujours score nul et vierge. Attention à ce retrait tenté par Kombi Mandjan. Ça ne passe pas, mais derrière, Herman se met déjà en jambe. Le nouvel entrant du coach Souleymanou Aboubakar. Alors que là, vous allez peut-être suivre. Vous allez peut-être suivre les supporters donnés de la voix. Vous comprendrez pourquoi dans un instant, il y a un monsieur attendu qui va aller peut-être à la table du commissaire du match pour un remplacement avant la fin de cette rencontre. Pour l'instant, on évolue sur le côté gauche entre Kombi Andalo et monsieur Seko, curieusement, qui est allé aux avant-postes. Long dégagement du gardien de Bambutos Tchoumte avec Baga. Il se bat, il donne tout. Cédric, le capitaine, ça ne passe pas. Et là, il faut défendre parce que Union veut un troisième but. Heureusement, la tête de Meteng, le plus expérimenté de cette équipe de Bambutos. Ah, lui, il a un parcours tellement long et intéressant qu'on pourrait passer toute la journée. Hein. That was technical from him and Samuel Kikambos, who tried it with Kombi Mandjan, but he's definitely trying it with an old lion. And that's the ball sent back ahead. Same, no. Whoa. Ah, il ne faut pas se manquer sur ses réactions. Monsieur Tumte, Teke Alain Delon. Ah, il a beaucoup plus de la pression, les supporters, que la pression des joueurs sur l'air de jeu, parce qu'à chaque fois il touche le ballon, ça répond derrière. Allez, on évolue. Union qui casse le rythme. Il ne joue pas à la baballe, il joue au taureau. Repossession there from Bambutos of Buda. That fires. What's the shot from Heyman? Heyman just made his entry, and that's a good announcement there. What a shot, but that's off target. That's a good announcer for Heyman. Heyman Kikambos. Là, il était bien tout seul et je parlais encore de cette position de l'arrière gauche qui a été très très tard sur la réaction. Regardez comment Kombi a dézoné. Et là, heureusement pour Poiti, monsieur Herman Samuel Kikambos manque son tir. Et messieurs, silence dans les canins. Écoutez l'ovation pour l'entrée du numéro 5. Et c'est le buteur qui va sortir, Serge Seko. Ils attendent ce monsieur. Applaudi par les Nasaraga Makai. David Eto'o qui prend la place de Serge Seko. Andolo qui a mis le deuxième but de Union, mais Seko qui avait ouvert le score tout à l'heure sur une passe de Samé. Est-ce qu'on va réagir côté Mangra Boys? Peut-être sur ce ballon avec la combinaison de Ekamessi. Guessé qui veut pénétrer. Récupération de Jérôme Echou qui peut relancer. Pas pour longtemps. On commence côté gauche avec les Mangra Boys. Et on cherche la faille à poids. Laborieux. Côté Bambutos, c'est l'accélération, il va tout seul. Avec ce ballon, l'aube, c'était une passe en profondeur, malheureusement, qui n'arrive pas à destination.
Dès Christopher était là pour siffler sur la faute de Union de Douala. Allez, ça revient aussitôt dans les jambes des Verts et Blancs. Le duel aérien, heureusement, la passe pour son gardien. Merci Calin 2 pour tout ce que vous faites pour le championnat. Note du match, 12 sur 20. Et l'homme du match est le gardien de Union. Il s'appelle Moïse Boiti. C'est Michel de l'Omnisport à Yaoundé. Merci Michel. 13 sur 20 sur cette belle image. C'est monsieur Pemsi Tadeus qui propose que Kombi Mandjan soit l'homme du match. On profite de ces petits moments pour peut-être lire vos SMS. Alors que là, l'arbitre va intervenir sur cette position de hors-jeu. Bien vu par Enyégué Pierre, l'assistant numéro 1 au bas de votre écran. Et le numéro 2, c'est celui qui est juste à l'opposé. Ouais, ça bouge beaucoup, hein, ça bouge beaucoup. Côté Nassara, ils sont dans le match. Et j'ai l'impression que les carottes sont cuites, hein, côté Bamboutos. On a du mal à accélérer, on a du mal à aller chercher au moins la réduction du score. Mais je sais qu'ils ont encore un peu d'énergie pour revenir dans ce match. Ils me donnent raison avec ce ballon récupéré. Avec Ekamessi qui tentait de trouver Paga, le contrôle. On est guillé à droite avec Herman. C'est un joueur très bon technicien. Qu'est-ce qu'il va faire là? Beautiful. Passement de jambes. Wow. Un contre deux. Il n'est pas passé. Oh non. Très compliqué pour lui. Anna Lou remonte. That's a wrong one there. Watch out. Union of Douala. Gay up there for the counter-attack. At the right flank of the field. Who doesn't look for? There is Samé. And there is Serge Andoulou. Oh wow. What a fantastic one there. That's of course spectacular from Samé. Who plays the kind of football we want to see? That's worthy of Barcelona FC. Et il nous a tenté une Rabamadje. Talonnade dans le dos. Wow, a fantastic image. Look at this. Bienvenue au stade de la réunification de Bépanda. Nous sommes à Douala. Ah ben je comprends, hein, soyez pas surpris. C'est des images exceptionnelles du jamais vu au Cameroun, si ce n'est sur Canal 2. Sur cette pelouse, Union pour l'instant dame le pion aux Mamba Boys. Alors que Guéab va recevoir des soins. Dans les gradins, c'est les Nasranga Makai qui chambrent les Mamba Boys en reprenant leur chant de guerre. A very good match indeed for the match. I rate 7 on the 10. And I vote Seko of Union of Douala as a man of the match. Okay, okay, okay. Thanks to Kanatu for this, for all its effort in providing good quality images. That's Randy from Douala. Randy, we're definitely grateful that you're watching at the moment. Pass the information to all those who are there in Douala in your neighborhood. As you look at this beautiful drone shot images, aerial view of the reunification stadium of Douala, we are doing what you definitely are expecting from us, from Cameroon. And watch out, this is going to be, it could have been an opportunity for Union Douala, but 20 was there for it. Goalkeeper 20 for Bamboutos of Buddha takes control of the ball, and the ball is definitely what's up there on the left flank. Who sends it right up front looking for Herman? No, not Herman Kikambos, but Stanislas Boris. What does he do with the ball? Bamboutos of Buddha tried to look for an opening since Union has formed a compact defense. That's Fimana who sends it right up front for Hulheman, who came late on this one there. Oh, il n'y a pas cru, il n'y a pas cru. Pourtant, il aurait pu quand même mieux négocier ce ballon, soit la remettre pour Cédric Paga, soit pourquoi pas ouvrir le plat du pied et la prendre en demi-volée. Why not? C'est dommage. Même Tsagé Lionel depuis Santa attendait un but. Lui qui propose 14 sur 20, la note du match. Alors que pour les prochaines rencontres, soyez pas surpris du dispositif technique de Canadien International, accompagné dans les retransmissions en direct par la marque 33 Sports, supporter incontestable et incontesté du football au Cameroun. Et on va suivre l'entrée de monsieur Shinkam en lieu et place du passeur décisif du premier but, monsieur Franck-Éric Samet, qui va sortir. Et Shinkam qui rentre en jeu.
le 8 pour le 9. Il va aller se loger à la pointe de l'attaque comme d'habitude. Allez, c'est reparti avec Bambutos qui n'abdique pas. On essaie encore, on donne tout ce qu'on a avec Apoua pour Dayan. What's up? L'amorti de Cédric Paga qui décroche un peu pour chercher là-bas du soutien. Ça va passer sur le couloir gauche avec l'accélération d'Apoua. Il récupère le ballon, il n'y a pas faute. Le centre vers le point de pénalty renvoyé par Monsieur Camara DTI. Et on peut relancer avec David Eto qui a touché son premier ballon. Guéap qui tente et trouve Andalou. Joli contrôle en extension. Et heureusement derrière, hein, il n'est pas... discret et c'est toujours Union alors que là David Eto qui est en train de chercher ses marques encore. Je vous disais hier ne pas être à 100% mais donnera tout s'il est appelé à défendre les couleurs des Nasranga Makai. Voilà, joli amorti de la poitrine, malheureusement le ballon est perdu. Andalo s'appuie sur GTI Camara. Echou pour Paizo avec son bandeau qui a reçu un coup lors de la première période. Echou dans le rond central, ça tourne bien et la faute sur Guéap. César Lumière de Pichang nous propose Andalou comme homme du match. 13,5 sur 20. Même la démarche, il a tout pris hein, à son frère aîné. Hein. On a l'impression que absolutely. C'est Samuel Eto'o avec quelques années en moins. Absolutely, but not the tattoos, because for the tattoos, he looks like Beckham. David Beckham, but not the tattoos. That's great, I mean. It shows that he has some David kind of opposite personalities. Meanwhile, Union Sportive Douala played with Eto'o. J'imagine, hein, s'il venait à marquer cet après-midi, la réaction des supporters dans les gradins. They're expecting that from him, you know. He has a lot of pressure because he is a brother to Samuel Eto'o, and we know that he too had played football to the international level before coming back to the country. He had some low moments, David Eto'o, but now we are waiting to see him, you know, come back as a real lion, the rebirth of David Eto'o, so that we might have two big Eto'o names in football in Cameroon. Why not? Allez, un clin d'œil au Lion Indomptable qui nous regarde sur Canal 2 International. Yeah. 13 sur 20, l'homme du match, c'est Samet. Nous propose Clovis Ngepi depuis Séoul, en Corée du Sud. You know, what a fantastic gesture there. Andalou, je vais marquer, hein, je vais marquer. Tu me fais la passe. And that's fantastic about this player. You know, when you get into such a team, that's really a block. And that has worked so hard, and that's finding itself at the top of the ranking of the League One Championship over years today. It's very complex to get inside and, you know, have this coherence with every other member of the team. But that's what David Eto'o has succeeded in doing, as confirmed to us by Diallo Sewe, the coach, yesterday, that he perfectly got into, you know, found coherence with him and his teammate and has become some kind of a leader. Allez, Monsieur David, à vous de faire le boulot maintenant. Vous ne pas nous donner tort. Retour sur l'air de jeu avec Assoua pour la remise en jeu. Le ballon avec Dayan. Firmana très costaud, grand de taille dans le rond central, côté Bambutos de Bouda. Alors que là, c'est notre très bon joueur Apoua qui a vu l'appel là-bas des Kamessi sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il revient dans l'axe avec un ballon qui va tourner. Oh, on tentait de trouver Herman Samuel Kambouz, c'est pas arrivé. Et là, c'est le premier duel entre Meteng et Shenkam. Ballon poté en touche par Meteng qui a été pris de vitesse par Samet sur le premier but. Regardez la différence de taille avec Firmana. Je ne sais pas s'il aura beaucoup de chance face à ce milieu défensif.
Bondo Christian Abiemassi propose Seko comme homme du match. 12 sur 20, la note. Allez, pour ceux qui auront la chance, au 675-59-25-00, d'envoyer les messages uniquement par SMS. On pourra, pourquoi pas, hein, comptabiliser vos propositions et désigner à la fin de ce match. The man of the match, absolument. 2 buts à 0 pour les Nassau Bakay. On s'approche tout doucement vers la fin de cette rencontre. Don't miss this opportunity. Do not relent your efforts. If you want to react for this game, of course, I'm calling you to react by sending us an SMS. Rate this game on 20. Tell us who is the man of the match. The number is already quite known for those who have been listening, but for those who have been watching, for those who are watching us right now, it's 675-59-2500. 675-59-2500. Send an SMS only. And rate the game on 20. Tell us who is the man of the match and leave a comment concerning the live game. We have thousands of people here watching today, close to 20,000. And it's a throw-in for Union Sportive of Douala. A long one there, sent in by Kaou Fabriel. But this one time around, it's a foul. And Bambutos FC of Buda has this opportunity. Well, they have the position of the ball. But they have to make a change because at the moment they are led 2-0. And Union is leading. Gayapu goes down with Kombi Manjan and Kengela Joe for the midfield. He controls perfectly the midfield, looks for Kaou Fabriel, who gets the ball. No problem there. And that's a beautiful one from Same, who goes to look for the ball. That's too hard, Kaou Fabriel. Meanwhile, we had Same, not Same, but Cédric Schenkamp. Schenkamp qui est rentré poste pour poste en lieu de place de Same, alors que encore un homme à terre, c'est Kaou. C'est la troisième fois qu'il est au sol. Espérons qu'il ne soit pas en train de souffrir autant qu'on le pense. On salue Bobby de la Médine depuis Londres en Angleterre. L'homme du match, Seko de Union, 16 sur 20. Que propose-t-il ? Merci à Canal 2 qui me fait rester encore connecté au pays. Alors qu'il nous reste 4 minutes de temps additionnel. Ah, les 4 minutes décisives pour peut-être réagir côté Mamba Boys à Bouda. Il faut forcément donner aussi de l'énergie à vos joueurs pour ici revenir dans ce match. Alors Poiti qui encore une fois souffre. Alors qu'à l'opposé, Tchoumte, c'est pas de douleur qu'il souffre, hein, mais de découragement quand on est mené 2-0. On se bat comme on peut. Et c'est pas la chose la plus facile à faire. 4 minutes to the end of this game. Poiti, the goalkeeper of Union of Douala, is really suffering. I think the coach should do something, but he is still stooping. He's stooping and he's seriously pained. He was limping. Just look at his work after all. But anyway, when we get close to that, but Union Sportive, as he controls the ball, Kombi Manjan, that can't kill a job. He sends it right up front for nobody. Schenkamp will have to run like a road runner. The ball can still be taking, and it's out. Goalkeeper kick for Bambutos of Buda, but taken by 20. 20 looks for Grisse. We'll try to look for Hemana. Unfortunately, qui revient sur la faute de Ken Villajoué, qui a joué un peu dur sur l'homme. L'un des acteurs cités comme homme du match par nos téléspectateurs. On salue Fouken Wafo depuis Karoua qui propose Kombi Manjan comme homme du match. Il a note 14 sur 20. Allez messieurs, c'est presque la fin de cette rencontre. Et peut-être la dernière réaction de Bambutos de Bouda avec Herman Samuel Kikambous face à Kombi Manjan. Attention de ne pas faire faute. Et il négocie bien et il va relancer avec Ngueyab. Manjan. Jusqu'ici, hein, en Dalo, Serge est un peu plus plébiscité par notre stateur comme homme du match. C'est vrai qu'il me fait penser en Dalou que j'ai connu à l'époque, mais lui c'est bel et bien en Dalou. L'important c'est de... Meanwhile, Gayam is called upon by Noah from Sa. Noah from Sa says Gayam is the man of the match.
And he says congratulations to Canal 2 International, Canal 2. And rates this game retransmitted or transmitted live by Canal 2 on 13 or 20. Bambutos wants to make a difference. A long one there. It's a header. Wrong one negotiated by Fimana. And it's a hustle and bustle there. Kobe Manjang who sets it right up front. Lyon qui gère bien sa fin de match et qui conserve le ballon. Dans quelques instants, l'arbitre va siffler la fin de ce match. Match au sommet. Alors qu'il aura peut-être tout fait, mais pas encore ouvert son compteur but. Samuel, peut-être, hein, lui aussi espère le but de David. David, celui-là de jeu, il passe à Goliath, hein, Metin. C'est pas un enfant de cœur. Absolute. Paizo pour la dernière opportunité de Union. Attention à la balle perdue par Ken Villajoué. Dernière offensive de Bambutos. Et on récupère les Mamba Boys là-bas qui cherchent et n'obtiennent pas le coup franc qu'ils espéraient. Allez, Kaou Fabril pour David Eto. David qui joue les meneurs cette fois avec une somptueuse passe pour Andalo. Le ballon extérieur pour Ngueyap. Ngueyap qui contrôle sur le pied droit. Attention à ce crochet, la frappe qui ne va pas inquiéter le gardien. Quelle était belle la combinaison, partie de David Eto, Serge Andalou et Ngueyap. C'est la fin du match ici au stade de la réunification. Un score qui ne va pas influencer le résultat du côté du leader au classement, New Star, qui a été tenu en échec par Cosmos du Bambe de Jésus. 0 but partout, mais on reste sur la pelouse parce que...